Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Bonjour à vous, le coucou à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue à tout le monde, les nouveaux, les anciens, les futurs, les ex, tout le monde. Bon, allez, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. La pêche, hein. Il est temps de la retrouver là, la pêche pendant l'été, hein, parce qu'à la rentrée, là, vous risquez de la perdre. J'ai vu un commentaire sur ma chaîne qui n'est pas faux du tout. Il serait bien qu'entre vous, dans les villages, dans des villes et tout, il y ait pas forcément des associations, hein, des regroupements qui se fassent. Voilà, des regroupements qui se fassent, déjà pour vous aider au quotidien, pour surveiller les maisons, surveiller les enfants, et pourquoi pas vous aider au niveau des finances, alimentaires et tout, quoi. Il y en a un qui peut faire un truc d'un côté, l'autre de l'autre, enfin, vous voyez, un petit peu du troc, des choses comme ça qui se mettraient en place. Ça, ce serait trop cool. Parce que les dents, les gens, les dents. Les temps qui arrivent, ça va être assez rocambolesque. Voilà. Que vous dire de plus? Merci pour les likes et commentaires et les partages. Continuez à liker et commenter, partager. Continuez à liker et commenter, partager. Et abonnez-vous si vous passez par là. Pourquoi qu'elle se. Ah, m'énerve cette tablette. Que vous dire de plus? Qu'est-ce que je vous avais dit? Ah oui, j'avais dit que les retraites, il va y avoir l'escamotage. Alors merci à l'abonné qui m'a envoyé ce document. Hein. Évidemment, si vous avez une petite retraite, on ne s'affole pas. Hein? Alors c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais c'est des retraites un peu plus volumineuses qui vont être touchées. Alors moi, mon intuition me disait à partir de 1500, mais à partir de 1800, où ça va être escamoté. Alors le truc de ouf qu'il vous raconte, c'est pour payer le chômage. Le truc de ouf. Je dis, ouais, mais non, parce qu'en fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme bêtises? C'est juste hallucinant. Hein. Et il y en a qui vont le croire, hein, c'est ça le truc de ouf. Hein. Voilà. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge quand même. Hein. Pour les rendez-vous privés, vous avez mon numéro sous la vidéo. Le soin énergétique, j'en ferai plus. Si vous voulez un soin énergétique, dites-moi sur quoi vous voulez travailler. Pourquoi pas le faire à tout le monde? Comme ça, au moins, c'est fait. Parce que ça marche, mais c'est provisoire, en fait. Hein. Donc, si vous avez une idée, ben, vous me le dites, mais ce sera fait gratos à tout le monde. Aux abonnés qui likent et qui commandent. Qui commentent, pardon, qui commandent. Je vais arrêter aujourd'hui, là. Et pour le FT, oui, là, vous prenez rendez-vous. Et pour les guidances aussi. On va aller voir après les JO. Alors là, je vous dis que ça va envoyer. Allez, je sais que j'ai des vidéos en attente, hein, des sujets que vous m'avez envoyés, ok? Je le sais, hein, j'ai tout noté. Après, je crois. Bon. Voilà. Donc, je voudrais aller voir cette économie après française. Hein, je pense que vous voulez savoir. Hein. Mais de toute façon, c'est l'économie mondiale qui va se casser la binette. Hein. J'allais dire un mot qui est argotique. Voilà, donc je ne peux pas. Je peux pas. Bon, alors dis-moi tout sur l'économie fait française. On me dit que de toute façon, c'est tout le monde. Voilà, c'est général, c'est mondial. C'est mondial. Un truc en plus, pardon, j'arrête pas aujourd'hui. En plus, en Chine, il y a un truc qui va se passer fort peu sympatoche. Il y a un truc qui se passe fort peu sympatoche en Chine. Il y a quelque chose qui se casse complètement la figure là-bas. Évidemment, ça aura des répercussions sur nous et sur beaucoup de choses. Sur les BRICS aussi. Comme s'il y avait un recul des BRICS. Alors, c'est bizarre quand je parle du recul des BRICS. J'ai comme l'impression que ça précipite. En fait, la chute du dollar, c'est un truc de ouf, ça. Ça devrait au moins, au contraire, le laisser remonter, mais c'est pas ça que je vois. Hein. Je vois vraiment comme un recul des BRICS, parce que est-ce que la Chine, c'est le plus fort potentiel là-dedans, je ne sais pas. Et c'est comme s'ils se reculaient, qui étaient tous les deux au bord de la falaise, donc ils se maintiennent l'un l'autre. Il y en a un qui recule et pouf, l'autre il tombe. Voilà. C'est un petit peu l'image que je vois. Alors quand on voit des images comme ça. Je crois que je n'ai pas été la seule à vous le dire. On a des images, on a des ressentis, mais il faut que nous, on les traduise avec les filtres qu'on a. Voilà. Donc parfois, on peut être complètement à côté de la plaque.
Ça peut vouloir dire complètement autre chose. D'accord? C'est avec nos filtres, nos. Voilà. Il faut arriver à capter l'essence du message. Et ça, c'est pas évident. Donc, ça va être un pion qui va être de moins sur la. Sur le truc, là. Sur le truc. J'ai l'impression d'un énorme recul aussi de l'U.E. Par contre, c'est pas bon. Ce que je vois, c'est pas bon. Pas bon, pas bon. Enfin, pas bon. Provisoirement, pas bon. Comme si c'était un recul de l'U.E parce qu'ils essaient de se reculer, de sortir en quelque sorte des billes du jeu, et c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le dire, pour reprendre des forces, pour revenir plus puissant. Mais c'est loupé. Voilà, c'est loupé. Ils veulent reprendre des forces, et ils vont vouloir reprendre des forces, mais dès qu'ils reviennent, pouf, ils se prennent un mur direct. Pour moi, c'est la chute finale. De toute façon, le pass Europe, là, machin truc, là, pour moi, il y a des pays qui l'acceptent pas. Hein. Alors, elle aura pour dire allons-y, allons-y. Hein. Il y en a qui vont dire eh oh, t'as compris hein? Tu auras ailleurs si on y est. C'est à force de faire des bêtises, à force de mettre une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, c'est ça qui sera leur perte. Quant à nous, l'autre, c'est qui se frotte les mains. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il se frotte les mains, l'autre. Il va agir, mais seul, hein. C'est ça le problème, le truc là. Les choses qu'il va faire là, parce qu'il a été énervé à un niveau assez impressionnant, mais c'est la vengeance, quoi. Hein. Et là, c'est comme s'il se détachait un petit peu, parce que lui, c'est qu'un pion. Hein. Alors là, l'ego, il doit en prendre un coup quand il entend ça. Je ne vous y raconte pas. Hein. Et c'est comme s'il voulait faire cavalier seul pour assouvir sa vengeance. Mais attention, on va le laisser faire jusqu'à une certaine limite. Parce que, je ne sais pas, il va vouloir aller trop loin, et les hautes puissances, le sommet de la pyramide, là, c'est comme si vous l'avez eux petit à petit, mais sans non plus tout fracasser, parce qu'il ne faut pas que tout se fracasse, ils font comment, sinon après derrière, ben, ils ne font pas. Donc vous voyez, à force de faire des couillons, ils se tirent des balles dans le pied tout seuls. D'ailleurs, la cérémonie burlesque, là, ça aussi, c'était un coup dans le pied. Hein. C'était tant mieux pour eux, tant mieux. Alors ils ont dit que c'était pas le fameux repas, la scène, mais que c'était le repas des dieux. Mais en fait c'est pire. Non mais en fait ils sont des zinzins, quoi. Hein. Ça marche pas bien là dans la cabine. Hein. Il doit y avoir des sacrés loupés. Hein. Je sais pas s'ils doivent mettre de l'huile, resserrer des boulons, j'en sais rien. Il y a vraiment des choses à faire. Hein. Enfin bon. Et tous ceux qui ne voient pas, il y a aussi des choses à faire. Je vois encore ces déclics qui vont arriver, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas. Hein. Je vois vraiment dans certaines personnes la tête. Tout ce qu'on me montre, c'est comme une ampoule, vraiment, dans la tête, une ampoule, vous savez, et qui est éteinte. Et d'un coup, pouf, l'éclairage arrive. Et la sidération, après, derrière. La sidération. C'est comment j'ai pu ne pas voir. Comment c'est possible que ce truc-là existe. Là, alors, par contre, après la sidération, c'est la pause. Et maintenant, on fait comment? Donc, l'économie, pour tout ce que je vois, c'est un grand blum terminé. Voilà, moi, je vois juste ça, un grand blum terminé. Et là, l'image que je vois, c'est une image que j'ai vue sur les réseaux. C'est un chaos pas possible. Et l'autre qui passe au travers, qui est tout content, vous savez, qui est avec son sourire, là, sa tape unique, là, qui passe, qui est tout content. Mais c'est ça qu'il veut. Voilà, c'est ça qu'il veut. Après, il va l'avoir, hein. Il va y en avoir des choses qui vont se passer, hein, hautement burlesques. Hein. J'ai entendu parler aussi de la SNCF, mais il n'y a pas que ça, il y en aura d'autres. Hein. Oh, il y a un truc à la Tour Eiffel. Je sais pas quoi, mais il y a un truc à la Tour Eiffel. Je ne sais pas quand. Voilà, on me dit à la Tour Eiffel, attaque. Ok, quoi, quand, comment, pourquoi, je ne sais point. Il va y avoir plein de choses comme ça, mais bien concentré sur un point précis. Ah oui, alors si vous êtes une femme, ou deux ou trois, hein, dans une maison, s'il vous plaît, faites en sorte qu'autour de vous, il y ait des personnes qui soient là. Hein, parce qu'une femme seule avec des enfants, c'est encore pire. Si vous êtes dans une résidence, ça va, il y a du voisinage, il y a tout ce qu'il faut. Si vous êtes dans une maison, je sais pas, alors essayez de copiner avec les voisins, les voisines et tout, mais ne restez pas seul.
c'est si vous avez des imbéciles qui veulent arriver à faire quelque chose, c'est vous qui vont viser. Donc, s'il vous plaît, pas seul ou un chien, j'en sais rien, je crois que les chiens, c'est pas ça qui les stoppe. Donc, copiner avec les voisins, les voisines et faites des choses comme ça. Je sais pas pourquoi là, on me dit ça d'un coup aussi. Ou alors, si vous avez un sacré caractère, ça va, mais bon. Mieux vaut éviter. D'accord? Voilà, mieux vaut éviter. Bon, on m'a dit pas plus. Après, on m'a dit pas mal de choses. Hein, on me remontre la RUSSIE. Pourquoi on me montre la RUSSIE? Lui, il attend quelque chose. C'est pas mauvais du tout, hein, ce que je vois. Hein. Au contraire, c'est très bénéfique. Hein, mais il attend quelque chose. Faudrait pas qu'il attende, dans le ressenti que j'ai, qu'il attende que notre cher Pinocchio, ce Mac-Mac, se casse complètement la figure, comme si c'était pour apporter une aide. Voilà. Après, c'est pas précis dans ce que je ressens. Okay. Ne pensez pas du tout, évidemment, je n'ai jamais dit ça. Je me suis dit, ça y est, ils vont encore se faire des trombines dans la tête, là. Pas une annexion de la France pour la RUSSIE, hein. Non. Ok, non. Non, non, non et non. Mais une aide ne serait pas superflue, hein. D'autant plus que là-bas, ça marche très bien, hein. Alors que le Bruno de la mairie, vous rappelez, on va mettre la Russe à genoux. Andouille. Alors, andouille. Mon Dieu, mais quelle misère ces types, hein. Ou ces femmes aussi d'ailleurs. Quelle misère, hein. Ils n'arrêtent pas, hein, en fait. Hein. Même là, à côté, ils devraient revoir leur script, hein, parce qu'alors là, à côté, nul, hein. Bon, on y va. L'économie française, de toute façon, c'est toute l'Europe, hein. Après l'UE, enfin, là, on va les françaises. Après l'UE, les JO. La force. Il va falloir être costaud. Hein. Il y a quelque chose qui démarre. Bon, d'accord. Ouh là là. Ouh là là. Ah ben au moins c'est clair. On nous dit clairement qu'il va falloir qu'on soit fort. Hein. Parce que ce qui démarre, c'est on n'est pas tout et on recommence. Voilà. Pas dans le sens que veulent nos chers au-dessus. Hein, le machin que certains appellent gouv. Hein, n'est-ce pas? Je vais finir par avoir des problèmes à force de dire ça. C'est pas grave. Vous avez notre chaîne secondaire, hein, je vous remettrai le lien. D'accord? Si jamais ça arrive en communauté, je vous remettrai le lien. Comme il y a des nouveaux et des nouvelles. Vous l'avez dans la communauté, si vous descendez, descendez. Ma chaîne secondaire, on ne sait jamais. Le bachelor. Oh là! Qu'est-ce qu'on a? On a un œuf de bâton. Il y a quelque chose qui va se passer. Un changement d'aiguillage. J'ai presque envie de vous dire, on va totalement dans le monde à l'envers. On y va, mais totalement. À fond les ballons. Lui, on a la reine de deniers. D'accord. Ok. Si on va dans le monde à l'envers, c'est pour permettre en fait à certaines personnes de tout faire. Pour faire en sorte que certaines personnes tombent, littéralement. Pas nous, hein, vous avez bien compris. Hein. Et là, on a un 7 de bâton. Ça va batailler sévère. Hein. Ça va fumer. Hein. Ils vont nous forcer à nous battre entre nous. Hein, puis ils vont y arriver, ces couillons, en plus, c'est ça le plus grave. Mais là, on a le début de la chute libre. Pour eux. Et j'ai presque envie de dire, c'est sans arrêt. Sans arrêt, c'est ce que j'entends dans la tête, hein, que le meilleur gagne. Pourquoi que le meilleur gagne? Dans le peuple, hein, parce qu'il y en a qui vont se laisser acheter quelque part. Il y en a combien qui vont se laisser acheter? Hein? Vous m'avez compris de ce côté-là? Hein? Déjà, tous ceux qui ont adoré l'espèce de machin là qui s'est déroulé vendredi soir, ceux-là, ils se sont fait acheter. Hein? Ah là 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 là. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. À chaque fois, j'entends ça aussi. Ils veulent entraîner les gens, leur âme, les gens. Pour moi, le pass européen, là, ils vont pas réussir à le mettre en place. Je pense pas.
Il y a des gens évidemment qui sont comme des couillons. Après, quand j'ai vu un commentaire, on va être obligé de se restreindre quelques mois. Mais oui, alors, c'est pas bien grave. Il est où le drame? Comment dire, il y a déjà plein de petits voyages à faire en France, plein de coins super sympathiques, ou dans les autres pays, hein, si vous êtes dans les autres pays, plein de voyages super sympathiques à faire, et ce sera provisoire. Quand il y a eu le coco, là, qu'ils ont le. Moi, j'ai pas fait, hein. Donc, ça veut dire pas de resto, pas de ci, pas de ça, pas de ça. Mais j'ai largement survécu. Hein. Mais sans problème. Hein. Donc, voilà. Il va vraiment falloir aller chercher la force au fond de soi. Vous inquiétez pas, après, il y en aura des voyages. Plein à faire. Plein. Et puis, avec une facilité, ça va même nous scotcher. Ok. Allez. Là, j'ai pris la triade amour clé. Voilà quelle est la clé pour dépasser tout ça. Comme ça, au moins, ça c'est clair. Je peux pas être plus clair, hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai oublié de mettre le papier d'ailleurs sur mon canal Telegram. Faut que je le fasse. Faut que je le retrouve. Mais je vais le mettre. Pour les retraites. Hein. Encore une fois, du coup, c'est une petite retraite jusqu'à 1500, même au-dessus, un petit peu. Pour l'instant, on ne s'inquiète pas. Pour l'instant. L'économie après les. Oh, pourquoi que c'est à l'envers, ça? On passe par une porte qui n'est pas la bonne. Mettre à l'endroit. Bon, on est en train de passer une porte. La porte à l'envers, hein, du monde à l'envers, hein, finalement, était à l'envers. Hein. Mais on a la clé pour tout. Attention aux erreurs. C'est pour permettre une autre naissance derrière. On va être obligé de passer par là. Ça va être, oui, une période hyper compliquée au niveau chômage, au niveau plein de choses. Hein. Je vous dis qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le carreau. Hein. Et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir que quelque chose se mette en place. Allez. Ah oui, alors désolé, hein, j'ai vu en commentaire que j'ai parlé du R.S.A, que ce n'est pas une aide. Oui, ben moi, voilà, hein, je sais, je m'excuse. L'économie après les JO. Ouh, je veux. Nécessité à l'envers. Mensonge à l'envers. J'ai comme l'impression qu'il ne va pas pouvoir mentir longtemps, Pépère. Hein. Il y a pas pouvoir, enfin, il y en a qui vont voir comme. Après, même si on voit, on sera obligé de s'y astreindre à certaines choses. Même si on sait que c'est des mensonges et honteux. Et honteux par. J'ai demain aujourd'hui. Demain, si j'y pense, on fera la soi-disant dette. Hein. Soi-disant. Europe. Hein, soi-disant. Il n'y en a pas. On va nous dire que c'est une nécessité, mensonge, et on va pas arrêter. Alors, par contre, de la com, je vous garantis que ça va y aller. Question com. Mais alors là, ça va envoyer. Oh non, il a des choix à faire. Ouh, il a pas intérêt de se planter, Pépère. Ça veut dire quoi ça? Que non seulement il va falloir qu'il obéisse à au-dessus, parce que lui, ce n'est qu'un pion dans un échiquier. C'est vrai que pour son ego, c'est un petit peu compliqué à aller ça. Hein. J'aimerais pas être à sa place. J'aurais bien lui dire en face, mais d'être conscient d'être juste qu'un pion, je suis sûre que ça mettrait dans une colère noire. Hein. Hein? Ouais, même pas rouge la colère, hein, noire. Hein. Bon, mais il faut qu'il arrive à avancer en appliquant le PLAN, qui est sacrément émoussé, parce que moi je vois un truc qui tombe et qui ira pas plat. Le PLAN, je vois quelque chose qui pouf, voilà, pouf, il entraîne pouf. Et lui, ce qu'il veut mettre en place, alors ça aussi, au moment où on met un soufflet qui sort du four et on attend trop et pouf. Après, on a une période hyper compliquée. Hein. C'est pas de suite que souffle, il va faire pouf. Hein. Il va y avoir pour 6 mois, 9 mois, voire davantage. Tout 2025, ça va être haut en couleur. Hein. Et fin 2024. Nécessité l'eau. Il y en a qui vont partir. Mais c'est aussi, on nous dit qu'il va falloir arriver à surfer sur les vagues. Ouais, mais c'est pas donné à tout le monde hein, de surfer sur les vagues, mon grand. Oh là là.
Il y a des pièges qui vont être mis, qui vont être grossiers, qui vont être grotesques, mais tout le monde ne va pas tomber dedans. Il ne va pas pouvoir tout faire ce qu'il veut quand même, hein. Parce que lui, s'il s'écoutait que lui, ce serait une monstruosité. Mais pire que ce qu'on va vivre. Mais ça, en plus, ça me fait bâiller. Donc je vous dis pas le niveau du machin qu'il veut mettre en place. Hein. Il ne va pas arriver aussi haut que ça. Mais ça va déjà être en couleur. Hein. Il veut nous faire tomber, il veut qu'on soit dans des énergies extrêmement basses, extrêmement. Parce que c'est comme ça qu'on peut être attaqué facilement. Plus nos énergies sont basses, plus on est attaquable quelque part. Tandis que si on reste bien aligné, qu'on continue à avancer, à s'entraider, à patiner, à couffer, il ne peut rien faire. Si, il va balancer ses trucs. Mais bon. On va aller voir avec Otalo ce que ça donne. Il y a quand même beaucoup de cartes à l'envers, hein. Moi je vous le dis. Hein. Ordre, c'est une rare carte à l'endroit avec le choix. Pour vous dire la monstruosité. Mais enfin bon. Nous, sous ça, et on va y arriver. De toute façon, si on est là à cette époque-là, hein, si on s'est incarné à cette époque-là, c'est clairement qu'on peut y arriver. Voilà. Il n'y a pas d'autre, pas la peine d'aller chercher midi à 14h. C'est tout. Après, il y en a qui n'ont pas compris, certes, je sais, mais si on s'est incarné à cette époque-là, c'est qu'on a toutes les capacités de passer. En même temps, ça va être extrêmement fatigant. Prenez du repos. Qu'est-ce que quittez, toi? Le Light Seer Tarot. Aïe, 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 aïe. Y a aussi, mais je crois que je l'ai dit dans une vidéo, non? Des volcans qui vont se réveiller, la terre qui va trembler, je vois plein d'eau qui tombe, des tornades. Enfin, après, je ne peux pas dire où, pas forcément en France, hein, d'accord? Dans la Méditerranée, il y a quand même quelque chose qui se passe. En Méditerranée, il y a un truc qui va se passer. Pas quelque chose de bien grave, mais pourquoi il y a toujours des avertissements là-dedans? C'est quoi le lien quand même? Bon, passons. Allons-y. Après les JO. Économie après les JO. On a une 3 de denier. Y a quelque chose qui se met en place. Aïe, aïe, aïe. Pour vraiment nous mettre à terre. C'est comme si, en fait, ils allaient reformer un pseudo autre groupe. C'est un petit peu comme ça, et qu'ils allaient changer de tactique. C'est un petit peu ce que je vois, quoi. En tout cas, ça n'a pas porté ses fruits. Tout est à l'envers à nouveau. Chariot, il y a quelque chose qui va gêner. Tout à l'envers. Et on a un 6 d'épée. En tout cas, quelque chose qui ne va point fonctionner dans ce qu'il veut. Je vous dis, il veut mettre un truc qui est hyper. Écœurant, il va arriver juste au plat de limace, quoi. D'accord? Il va pas arriver à faire ce qu'il veut. C'est comme si au-dessus de lui, on va pas le lui permettre. Parce que c'est comme s'il voulait passer à toute vitesse les étapes du plan. Là, c'est comme s'il était à, je sais pas moi, au curseur numéro 5 et qu'ils allaient passer au curseur numéro 6. Mais lui, il veut aller carrément au dixième. Il dit, non, 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 non. Non, 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 tu ne mets pas la charrue dans les bœufs, hein. Tu suis le processus. D'accord? Par contre, j'avais dit aussi des anciennes mâles, point A, point D, qui reviennent. Ça, c'est normal aussi. Hein. C'est comme si on fermait des cycles. D'accord? C'est normal. Deux de bâton à l'envers. C'est comme s'il allait s'empêtrer, pardon, les papattes dans le tapis. Il y a quelque chose qui loupe. Tant mieux, on dirait. Tout à l'envers, hein? Ah ouais, alors du coup, je sais plus qui t'es, toi. C'est le papa.
Même dans le monde à l'envers, ils ne vont pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire, mais rapidos, en fait. Marqué, ce qu'ils vont faire, ça va être suffisant. Mais après, on va leur faciliter la tâche. Hein. J'ai presque envie de vous dire, ah, il y a un endroit, dis donc. Ah, ben dis donc, c'est pas dommage. Hein. Sur le 6 d'épée, la fuite, il y en a qui ne pourront pas fuir, mais il faut au contraire s'unir. Finalement, la carte finale du jeu, c'est unissez-vous. On est plus nombreux qu'eux, hein, entre parenthèses. Si, ouais, voilà, on est plus nombreux qu'eux. Même si on enlève le groupe, si on enlève le militaire, si on enlève plein de choses, on doit quand même approcher les 55 millions, quoi. Hein. Si tout le monde était uni, le monde à l'envers, 3 jours, on y reste. 3 jours. Et encore en tirant bien sur la corde. Il faut s'unir, c'est la carte finale. Quel que soit ce qui va se passer, unissez-vous. Bon, ça veut dire que l'économie est affaire classée. Énormément de boîtes qui vont fermer, à mon avis, c'est déjà le cas. Ben, les restaurateurs avec le QR. Ah oui, dans toutes les manifestations, mais je crois que je vous l'ai dit, ça, ils vont vous couler le QR code, hein, faut pas rêver, hein. C'est comme ça qu'ils essaient insidieusement de passer à travers les mailles du filet. Alors, si on ne peut pas se retenir, moi, quand j'ai dit à Harry Potter, à Montauban, j'aurais voulu y aller, mais j'y vais pas, puis c'est tout, c'est pas bien grave. Hein. Je survivrai. Hein. Il y aura mille autres choses à faire. Allez, la petite carte du jour. Grandir. Ah, on va traverser une époque pour grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité, par les messages que la vie m'apporte. J'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Et soit dit en passant, hein, je me joins à d'autres chaînes qui l'ont dit. Mais quand il y a eu cette face ici de spectacle de, hein, voilà, de caca de. Il me semble que le papa montu ses bouches cousues, hein, ça la fout bien. Hein, ça la fout bien. Hein. Plus tous les sbires derrière, hein, ça a du fric à ne plus savoir qu'en faire. Déjà, ça n'aide personne, il pourrait aider les gens. Je pense que c'est ce qu'ils sont, ils sont là pour ça, non? Rien du tout. Ils en profitent pour eux. Et pour moi, le pape fait partie de. Vous avez compris avec les enfants. Voilà. Savez qui c'est qui a bougé apparemment? Eh bien, les musulmans. Ça la fout bien, hein? Après, j'ai entendu des curés aussi râler. Mais c'était pour la petite parenthèse, quand même, anecdotique. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça va arriver, il faut juste passer un cap. Alors, ils vous disent de vous de vivre chichement, de si, même à leur curé, hein, de vivre chichement, de ci, de là. Malheureux, ça y va, hein? Quelle honte! Quelle dépravation. Je me suis fait un plaisir de le dire à certains qui sont très. N'ont pas apprécié. Ben oui, mais en attendant, moi je constate. Hein, je crois en l'énergie divine, mais la religion pour moi c'est terminé depuis belle lurette. Depuis mon adolescence, même avant. Hein. Voilà. Et pourtant, je peux vous dire que la lumière, je continue à la voir. Ah, si vous voyez la lumière la nuit, au fait, paupières fermées, c'est pas grave. Hein? Voilà. C'est qu'il y a des choses qui s'allument dans le cerveau au niveau des connexions. D'accord? Vous pouvez voir aussi parfois du bleu foncé. Je vous le dis encore. Le soin du jour. C'est pas l'araignée qui monte au plafond ou le plafonnier qui s'allume, quoi. C'est vraiment des connexions qui se font. C'est tout. Le matin. Ben là, il nous dit clairement que je ne pense pas à l'inconsistance ni rien, mais qu'on va traverser une période hyper compliquée, qu'on va tenter de nous laisser qu'avec le baluchon et qu'il va nous falloir du courage pour tout traverser en totale sérénité. Courage, patience et protection. On y va?
pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot qui like et qui commente. Je l'ai fait durer un petit peu plus que d'habitude parce qu'en fait, vous ne le voyez pas parce qu'elle est hors de l'écran. Mais pendant le soin, la bougie s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup excitée. Et mes mains ont bien chauffé. J'attendais qu'elle se stabilise en fait pour arrêter le soin. Donc c'est pour ça. Voilà. Prochaine fois, je vais la mettre plus en vue. Sur ce, mais prenez soin de vous. Si vous n'avez pas arrivé par là, abonnez-vous, likez et commentez. Merci, ça ferait toujours plaisir. Que tout le monde like, ce serait pas mal. Hein. Et commentez aussi, ce serait pas mal, fait pour les soins. Ça commence, c'est comme ça que ça commence, solidarité, en likant les vidéos que vous regardez. Que ce soit pour moi ou pour les autres, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Et abonnez-vous, vérifiez vos abonnements. Prenez soin de vous, surtout. Et bisous, bisous, et à demain.